Perfetto. Adesso chiamo tre persone in un colpo solo. Uno è il signor Ducasse, Frank Cerutti ed Enzo Vizzari. Grazie Ducasse, Enzo. Grazie a Paolo che mi ha chiesto di essere qui, grazie a lei e a Frank. Effettivamente ci conosciamo da quasi, ci frequentiamo intensamente da quasi 25 anni e quindi è davvero un grande piacere. Alain Ducasse è un vecchio giovane, nel senso che nell'immaginario di tutti noi, di tutti voi, incarna la modernità e, devo dire, la supremazia assoluta mondiale della cucina francese negli ultimi 20 anni. Questa è la percezione, 20-25 anni, è la percezione, l'immagine che bene o male tutti si ha di Ducasse. Ma non bisogna dimenticare che Ducasse, beato lui, ha solo 53 anni e quindi è diventato grande, è diventato questo riferimento quando era ragazzino, con una formazione intensa che è partita dalla salvaguardia dei gusti, dei sapori, della conoscenza della sua terra d'origine, che è il sud-ovest della Francia, si è affinata con una serie di passaggi dai suoi grandi maestri di riferimento, Michel Gérard, Avantoux, Verger, Chapelle et le nôtre pour la pâtisserie. Et puis le nôtre per la pasticceria. Ha bruciato le tappe dopo un inizio folgorante, e però credo che queste cose le ho introdotte per evitare di farle dire a lui. Sarebbe interessante partire da una notazione non strettamente gastronomica. Chiederei ad Alain di spiegare oggi che cosa rappresenta, in che cosa consiste oggi il gruppo Alain Ducasse nel mondo. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ton groupe dans le monde entier? Qu'est-ce que représente en termes de ressources humaines, de restaurants, pas seulement de restaurants dans le sens classique, de chiffre d'affaires aussi, si tu veux. Quindi, posti, fatturati, uomini, e poi entreremo evidentemente nel dettaglio, nell'analisi di che cosa vuol dire tutto questo. Alors, s'il te plaît. Premièrement, originellement, je suis un cuisinier français classique méditerranéen. Originellement. Originellement, je suis un cuisinier français classique méditerranéen parce que après avoir fait mon apprentissage de la cuisine française, j'ai décidé, quand je suis arrivé à Monaco il y a 22 ans, de faire de la cuisine méditerranéenne une grande cuisine, une cuisine de haute gastronomie. Parce que les produits le permettaient et l'approche simple pour préserver la saveur originelle de chaque produit qui compose un de mes plats doit préserver la saveur originelle et non pas de confusion, mais plutôt la précision de ce que chaque goût doit rester. Je suis profondément amoureux de la Méditerranée et de la proximité avec l'Italie. Mais aujourd'hui seulement, 5 restaurants dans le monde portent mon nom. Combien ? 5. 2 ateliers de haute couture, le Louis XV à Monaco, Alain Ducasse au Plaza Atelier. Et maintenant, Alain Ducasse de Dorchester, qui a eu 3 étoiles il y a 15 jours. Et ensuite, Adour Alain Ducasse à New York et Belge Alain Ducasse à Tokyo. Voilà, c'est simplement 5 restaurants, dont 2 ateliers de haute couture et 3 prêt-à-porter le luxe qui sont New York, Londres et Tokyo. Et après, tout le reste, ce sont des applications. Mais la première application que j'aime particulièrement, c'est qu'est-ce qu'on a fait dans la Maremma, à l'Andana, dans la Toscane maritime, avec Vittorio Moretti, que j'avais dit pendant 20 ans que jamais je vais aller en Italie pour faire la cuisine parce qu'il y a trop de compétition. Finalement, je suis tombé amoureux des produits que j'ai pu trouver dans la campagne et au bord de la mer pour me donner, moi, cuisinier, la possibilité d'exprimer une cuisine différente et qui aujourd'hui, très clairement, est une cuisine essentiellement Maremma, parce que le cuisinier français que j'ai mis dans la campagne de la Maremma, il a réussi à prendre et à exprimer l'essence et l'identité culinaire de cette région.
Et chaque fois que je fais un restaurant dans le monde, je vais essayer d'être un cuisinier local, avec une image, avec un regard global, mais d'abord être un cuisinier local. Faire attention au fournisseur qui va me donner le produit, à l'éleveur, au pêcheur, au cultivateur, au paysan, qui va me donner, moi, cuisinier, l'opportunité d'exercer ma connaissance professionnelle sur ce qui est essentiel à mon métier, c'est ce que j'ai, ce que je sais, c'est ce que je fais. Ça, c'est où? Ça, c'est ce côté-là, ça? Alors. Alors. À... Voilà, donc. Mais tu sais bien que. On te. Parfois, on peut dire. On te critique. On remarque que tu es devenu et tu risques de devenir de plus en plus. Beaucoup plus entrepreneur que cuisinier. Mais un restaurant, c'est une entreprise. Avant tout. S'il y en a deux salaires à faire, c'est déjà une entreprise. Donc il faut arrêter. Notre métier, c'est une industrie. L'industrie de la haute gastronomie, l'industrie de l'alimentation en général. Et la haute gastronomie, c'est comme la haute couture pour la mode. C'est une nécessité qui tire vers le haut l'ensemble de l'industrie de la nourriture. Donc c'est pas rien. Donc c'est pour ça que les deux ateliers de couture, pour moi, me permettent une diversification importante et des affaires nécessaires. Et la déclinaison de mon métier, c'est que je suis aujourd'hui éditeur. J'ai fait des écoles pour les particuliers, pour les professionnels, mais je suis essentiellement dans mon métier. Je ne vends pas de chaussures, je ne vends pas de cravates. Je fais des restaurants. J'enseigne la cuisine et j'édite des livres de cuisine. L'activité d'Alain Lucas Entreprise aujourd'hui, c'est assez simple, c'est tout ce qui existe autour de mon métier de cuisinier. Oui, mais tu as le temps de faire la cuisine matériellement aussi ou non? Mais la cuisine, c'est tous les jours, avec des collaborateurs. Franck travaille simplement avec moi depuis le 10 mars 1980. C'est 30 ans dans 6 semaines. Franck, donc, c'est Franck Cerutti, hein? Il était tout jeune, hein? Ah oui, il était jeune et c'est avec lui que j'ai fait la route de la Méditerranée. Et Franck est mon plus fidèle collaborateur. Et chaque fois, l'important c'est que moi, aujourd'hui, je vais donner la direction de là où on est maintenant et là où je pense qu'il faut être demain. Ma charge aujourd'hui, c'est de donner la direction. Et quand je fais un restaurant, c'est de créer l'ensemble des ingrédients qui vont faire ce restaurant, y compris de la cuisine. Le sens de la cuisine, mon travail quotidien, ce n'est pas les entreprises, ce n'est pas mon business, c'est de faire et de penser et d'imaginer la cuisine. Voilà. La chose... de goûter la cuisine partout où je suis dans mes restaurants. Oui, la chose que je sais, à laquelle tu tiens fortement, s'il te plaît, je t'en prie de souligner ça, c'est que dans chaque restaurant, dans chaque endroit où on trouve le nom Alain Ducasse d'une façon ou d'une autre, tu cherches à valoriser, à mettre en valeur le terroir, l'identité locale, parce que tu refuses que si on va manger du Ducasse à Tokyo plutôt qu'à Monaco, et aussi à Paris, c'est ce qui est différent de Tokyo, pardon, Paris en face à Monaco. Je ne vis pas sous l'influence des cuisines actuelles. Voilà, exactement. Je suis dans la culture de mes identités propres là où je suis. Et je ne suis pas sous l'influence, mais je préfère que la cuisine française continue à avoir l'influence sans recevoir l'influence des autres parce qu'elle a cette capacité. Et quelques chefs français le démontrent bien puisque à l'étranger, Joël Robuchon et moi, on a pas loin de 50 restaurants, donc c'est un peu d'influence pour la cuisine française. Voilà. Et donc, toujours en mettant en valeur aussi l'esprit des lieux, les produits des lieux. Parce que, comme tu viens de dire, en Toscane... local. Je suis là où je suis un cuisinier local. En Toscane, on achète 99% des produits de la Toscane avec un regard essentiel sur la culture du goût de la région et la compréhension et de retranscrire avec notre professionnalisme ce qui est le meilleur et qui est presque la caricature du goût de la marine. C'est ça mon travail. Et par contre, je suis, c'est ce travail-là.